Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Bienvenue dans mon monde. Vous savez que mon monde, c'est le monde des savons. Vraiment, si vous avez besoin d'un savon de déblocage, un savon pour les mains percées, un savon de chance, un savon pour le commerce, par exemple, ou bien si vous voulez un savon de dette, oui, il y a un savon. Je pense que j'en ai encore trois savons. Venez me voir en privé, ou bien si vous avez besoin. Je ferai même une vidéo de ça de toutes les façons pour les hommes. En tout cas, même les femmes peuvent aussi essayer cette astuce-là. Donc, ici, là, je vais vous donner une astuce. Bon, vraiment, c'est une astuce que j'ai trouvée très, très géniale, que j'ai dit que vous pouvez ça pour ceux qui ne risquent rien à rien. Essayez. Quand vous ne voulez pas les gens, les mauvaises personnes viennent chez vous, ou bien les mauvaises personnes qui ont des esprits négatifs viennent chez vous. Par exemple, vous pouvez faire cette astuce-là. Donc, vous avez besoin de la racine. J'ai dit bien la racine du vernonia. Donc, on appelle ça chez nous le ndolé. Donc, le ndolé, quand on parle du ndolé, je pense que beaucoup de personnes connaissent le ndolé. Mais ça, ce n'est pas ça. Mais je vais seulement vous montrer. Donc, vous avez besoin de trois choses. Vous avez besoin de la racine de ça, du vernonia. Vous avez besoin d'une plume de perroquet. Et vous avez besoin d'une graine, je parle d'une graine de ndom, comme on appelle chez nous au Cameroun, ou bien comme on appelle chez nos frères de l'Ouest, poivre de Guinée. Donc, disons comme ça là. Donc, après, vous avez aussi besoin du fil rouge et noir. Comment nous allons faire ça? Nous allons procéder comment? Parce qu'il faut vraiment que. La racine là doit être, disons, à peu près comme ça. Là, que vous allez prendre votre plume et mettre là dedans. Vous allez prendre un grain. Je pense qu'on dit une graine, hein? Une graine et mettre ici dedans. On n'en est pas peur. Hein? Je pense que j'ai mis. Et là, vous allez prendre le fil. Rouge, vous pouvez commencer comme vous voulez. Le fil rouge que vous allez bien attacher comme ça là. Bien, vraiment attacher ça de telle façon que qu'on ne voit plus rien. Et que rassurez-vous que la graine est là-dedans. Et vous allez encore ajouter ceci là. Le fil noir. Parce qu'en réalité, je ne peux pas faire l'astuce là normalement. Parce que ça, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. Faut pas faire les choses au hasard. Hein. On ne s'amuse pas avec la spiritualité. Hein. Ah oui, donc, c'était seulement juste pour vous montrer. Donc, voilà, la graine vient de sauter là. C'est bien, la graine vient de sauter là-dessus. Là. Donc, voilà, ça, c'est pour mâcher. Hein. Ça, c'est vraiment une tasse. La racine, c'est pour mâcher. Non, ça n'a pas sauté, c'est ça ici, là. Je ne jette rien. Donc voilà, et si vous savez très bien que je suis membre de l'IEB le mal depuis 2 ans maintenant, moi je continue à faire les cotisations, je continue à investir. Si vous avez des questions, je dis bien, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, venez me poser ça derrière. Vous savez que l'IEB le mal depuis le mois de décembre, c'est devenu une crypto-monnaie comme tout le reste. Donc jour et j'ai moins quelque chose. Je vais encore revenir parce que disons dans 2 semaines, le CEO a décidé d'ajouter deux grosses packs là-dessus. Vraiment, pour ceux qui sont. Parce qu'il a vu qu'il y a vraiment, il y a les gars qui ne dorment pas, qui achètent vraiment des packs. Et parce que beaucoup de personnes ont acheté les packs de 1 million. Parce qu'il faut profiter, hein. Vraiment, c'est le moment de profiter, d'acheter les packs que vous n'avez même pas pensé un jour à acheter un jour. Pour ceux qui veulent. Pour ceux qui veulent, pour ceux qui ont compris que quand quelle qu'en soit la chose, quelle qu'en soit votre chaussure, quelle qu'en soit, je ne sais pas quoi, votre sac, quand ça baisse de la valeur, soit vous allez garder ça dans un endroit très bien, vous allez attendre que ça prenne de la valeur pour revendre votre sac. Soit vous allez encore acheter peut-être autre chose pour embellir ce sac-là, pour leur donner une autre valeur et pour vendre de plus. C'est comme ça que ça se passe avec la crypto-monnaie. Ah oui. Donc, c'était un peu ça. Vous savez, encore une fois, vous savez que je suis dans la crypto, dans l'IEB le mal depuis.
Donc, j'investis, je continue à investir, je continue encore à acheter les packs. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à venir me les poser derrière. Donc, récapitulatif de ce que je viens de dire, vraiment pour éloigner ou bien pour que les mauvaises personnes ou bien les mauvais esprits ne viennent pas chez vous, qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Vous avez besoin de la racine du vernonia, qui est le ndolé, comme on appelle au Cameroun. Vous avez besoin du fil rouge, du fil noir, une plume de perroquet. Ça, c'est vraiment les plumes de perroquet. J'ai ça depuis plus, je pense, 2 ans maintenant. Vous avez besoin de ça et vous avez besoin du grain de piment de Guinée ou bien comme on appelle chez nous, c'est ça comme ça, comme on appelle chez nous, l'ondon. Ou bien pourquoi pas, vous pouvez aussi prendre le jujube. Hein. Ça, c'est à la même fonctionnalité. Hein. Le jujube, comme on dit que c'est un peu sucré. Mais je sais que mes frères de l'ouest du Cameroun utilisent ça beaucoup pour bénir leurs enfants, pour faire de la purification, pour faire plusieurs choses. Donc, prenez une seule graine que vous allez mettre là-dedans et vous allez mettre la plume de perroquet. Vous allez bien attacher avec les deux fils là, noir et rouge, de telle façon que vous allez vraiment faire disparaître ça là. Et vous allez déposer ça quelque part derrière votre porte. Vraiment quelque part très très bien, quelque part dans un coin de votre maison, disons comme ça là. N'oubliez pas, les vœux sont très très importants dans une astuce quoi. Donc voilà, donc n'oubliez pas, j'ai les savons de déblocage, les savons de chance, les trucs comme ça. Normalement c'est souvent bien de s'abstenir avant de faire des astuces comme ça, de faire aussi une petite purification même de 2 à 3 jours vraiment pour être pur. Et faire pour que ça marche. Parce que ne faites pas le crac-crac et après vous venez faire ça, ça ne va pas marcher. Parce que vous n'êtes pas pur, quoi. Donc voilà, c'est très important ce que je vous dis là. Ne faites pas les astuces au hasard. Faites les astuces quand vous êtes pur. Quand vous êtes vraiment. Que vous n'êtes pas. Vous ne saignez pas si vous êtes une femme, que vous n'avez pas fait le crac-crac, si vous êtes une femme ou bien un homme, quoi. Donc voilà un peu. Ou bien que vous êtes sous. Non. Ne faites pas des astuces. Soyez sérieux quand vous faites un truc spirituel. Donc voilà. Encore une fois, n'oubliez pas, je vends des savons spirituels. Donc si vous voulez même souder votre couple, que vous savez que vous deux vous vous aimez, vous voulez encore donner un coup de pouce, venez me voir en privé. Donc vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker. Et moi je vous dis à tantôt. Bye bye.